ce matin à la rubrique Le Point, Eric Jean-Baptiste. Bon, et c'est des points de vue qui sont souvent partagés. Il y a des gens qui estiment que par rapport à la quantité de problèmes que le pays d'Haïti gagne aujourd'hui, hein, il y a un premier ministre qui est plus technique que politique ferait l'affaire, il y a un homme d'ouverture, il y a un monde qui est capable d'apaiser les esprits, il y a un monde qui est très politique, tout, il y a un monde qui... alors ça m'a bon, diverses opinions. Hein. Il y a un monde qui dit aujourd'hui là par rapport à des autres qui gagnent dans le pays, il y a un besoin d'un monde qui est dû pour faire respecter la loi. S'il allait trop loin, il a sauté comme fusible. Mais au même moment, je crois que c'est un monde qui est politique. Il faut laisser la politique aux politiciens. Il faut appeler un chat un chat. Et dans ce pays, souvent, on est caché. Il a fait politique bien raide. Mm-hmm. Et puis, au dos, c'est technicien. Mm-hmm. Il faut que mon assume position politique. Le premier ministre, aujourd'hui, nous croyons que faut que l'État ait une personnalité politique de grande sagesse. Mm-hmm. Un monde qui est compétent, un monde qui n'est pas conflictuel, qui est capable d'arriver à un niveau pour comprendre le problème profond qui gagne dans le pays. Parce que, en plus de tout problème structurel que nous connaissons que le pays a gagné, mais le pays a gagné des problèmes politiques, je veux dire. Mm-hmm. Donc, si ou pas joindre symbiose un personnage politique ça qui lui-même capable de réunir compétences que le besoin en dedans et entourer tout de monde qui compétent, eh bien le Sahara va toujours tomber dans même pololo. Mm-hmm. Donc il est indispensable pour nous que et moun profil moun qui a choisi qui vous avez une premier ministre, eh bien c'est un monde qui lui-même assumer position politique, il est d'accord que l'a fait politique. Mm. Mais pas au monde qui a caché, mais qui a caché, qui a bien, mais qui a caché l'ombre. Nous et devant situation ça plusieurs fois en Haïti. Mm-hmm. C'est vrai que dans la perception, c'est vrai que dans la réalité aujourd'hui, la plupart de nos hommes et femmes politiques, la plupart nan yo bay population en dégoût. Mm-hmm. Mais cependant, nous pas pral induit population en erreur pour nous dire que désormais et que c'est technicien uniquement que nous pral mettre dans poste de responsabilité. Mm-hmm. C'est pas vrai. Mais on même on bay comme ça pas intéressé. Écoutez, Éric Jean-Baptiste, premier ministre. Éric Jean-Baptiste est prêt à servir son pays à n'importe niveau que connaissance, que compétence capable de permettre de faire. Cependant, j'ai une constitution pays, ça a été là, je dis, au patabé, j'aime joindre Éric Jean-Baptiste qui acceptait aucun poste nominatif côté que Mbalguin pour gérer l'argent de l'État. Vous savez pourquoi, monsieur Théodore? Mm-hmm. C'est simple. Constitution pays, je dis, et j'en lis, chaque fois qu'un monde prend un poste de responsabilité côté qu'il va gérer l'argent de l'État, eh bien, il tout après perdu droit politique pour les 20 prochaines années. Pour la simple et bonne raison que Gombaga y aurait les décharges qui t'a supposé nommer une institution technique, mais il nommer une institution politique, qui c'est le Parlement haïtien. Et nous connaissons que le Parlement haïtien, comment M. Sayo fonctionne. Moi, comme j'ai un rêve pour payer ça, si je prends un job Premier ministre pour un an, deux ans ou bien trois ans, je tout dis que je perdu tout rêve pour payer ça. Donc, je ne vais pas le prendre. Ensuite, moi-même, tout comme homme d'affaires. Comme homme d'affaires, bien mieux qui peut grever 10 hypothèques. Mm-hmm. Si j'ai un problème pour me faire business pour marcher, je ne peux pas prêter l'argent sur yo. Vous comprenez? Donc, moi-même, je pense que la Constitution, hein, c'est une raison qui fait que dans l'équipe politique, nous, le noir réfléchi ensemble, nous avons toujours dit que la Constitution n'a pas besoin d'amender. Mm-hmm. Son Constitution qui a besoin de chavirer. Et moi-même, je suis arrivé le plus loin.
Mais simplement dit qu'il faut un coup de force contre cette constitution. Parce que je dis, on prend peut-être trois exemples de problèmes majeurs qui, bien que Dakagon lisent net, oui, qui existaient dans la constitution. Nous parlons de l'affaire de décharger ça, qui lui-même était dans la main politique. On a regardé la question de premier ministre. Où est en campagne? Comme les gens qui voulaient être président de la République, c'est où qui a un programme, c'est où qui a un projet, c'est où qui a une vision. Et c'est où même la population d'accord avec ce dit que lui va le faire. Ou fin passer comme président de la République, ou nommer, parce que sous pas une majorité qui est dans le Parlement, donc c'est en consultation qu'on va nommer premier ministre, ou nommer un premier ministre, le lap travail, non, les gens qui sont pas contents, ou pas qu'à révoquer comme président de la République. Ou pas qu'à pouvoir ça soler. On garde des détails encore. Dans cartel magistrat, chaque semaine, autant de gens l'obéit, mairie ou pas qu'à marcher, deuxième, m'a dit premier, m'a volé, premier, m'a dit troisième, m'a volé, autant de gens l'obéit dans trois mairies. Bon, écoutez, nous avons presque 30 ans là, si ce n'est pas plus, depuis que nous avons fait expérience avec cartel magistrat, qui a trois membres là-dedans. Mais ça ne marche pas. Nous, elle n'est pas marché. Donc, s'il n'est pas marché, s'il n'est pas marché, il faut que nous arrivions à côté, nous disons, bon, écoutez, nous avons essayé avec le système ça, il n'est pas marché, il faut que nous chavirions. Donc, c'est une raison qui fait que nous-mêmes, dans l'équipe politique, pas nous, nous toujours dit, nous pas pour un amendement dans la Constitution, hein, mais nous plutôt pour que nous refaisions l'autre Constitution. Et moi-même, Jean-Baptiste m'a dit, il faut que nous ayons un coup de force contre la Constitution ça. Cependant, coup de force ça, il n'est pas capable de faire par un président qui manquait de légitimité. Ou bien qui a une légitimité limitée. Encore plus, s'il a une légitimité qui saccagée, je ne veux dire. Coup de force ça, la pensée faite dans le consensus. Vous pensez aujourd'hui, il est possible pour jeune président qui gagne toute légitimité ça. Écoutez, des mois élections qu'on connaît qui va contester depuis de 86 à nos jours. Effectivement, ou gain raison et trois cas élections toujours gain contestation là-dedans, mais faut que nous admettons tout que souvent les politiques ils ont quitté chance à monde qui passait là. Exemple, dernier pouvoir ça qui saute passer là. Et ben dernier pouvoir ça qui saute passer là. Par exemple, comment pouvoir qui te gagne autant de temps de grâce devant. En dépit du fait que li monté avec 596 000 monde, ça veut dire que qui pas représente rien dans l'électorat, mais il était capable de venir joindre toute légitimité li, si effectivement il a produit pour population nous-mêmes et nous fermement croyons que la prochaine élection qu'après sortir là et bien population pral mettre dehors en masse pour que yo capable prendre destin au nom yo là ça va gagner un président de la République qui lui-même a gagné toute légitimité qu'il faut pour que nous poser les vrais problèmes. Vous savez pourquoi? Si ça n'a pas arrivé fait, M. Théodore, je ne veux pas faire main et pour faire de malheur. Mais cependant, si ça n'a pas arrivé fait, je crains en pile à une heure de temps de Miami que le pays d'Haïti a vécu un génocide. Parce que si nous n'avons pas arrivé dans la phase pour que nous fassions les réformes sérieuses qu'il faut dans ce pays, la révolution sanglante les pour très bientôt. Elle serait imminente alors. Ok. Quel deux exemples pour tout à l'heure. Question de cohabitation entre un premier ministre et le président de la République. Côté que le président qui a une vision, un rêve, un programme n'est pas qu'à évoquer. Au bon exemple, magistrat auto. Donc, nous avons comme senti ou t'as préféré nous retourner à. Le premier régime que nous avons gagné, qui était un régime 100% présidentialiste, côté que ce président qui a gagné pouvoir pour faire des faits. Donc, c'est comme si vous avez envie d'appuyer le monde qui dit que la Constitution, notre Constitution, est source d'instabilité. La Constitution, aujourd'hui, permet que nous sortions d'un extrême à tomber dans l'autre.
Aujourd'hui, il fut un temps où que tout pouvoir était concentré dans les mains et exécutif. Mais je dis à tout, tout pouvoir concentré dans les mains parlement. Aujourd'hui, nous devons une dictature parlementaire. C'est une raison qui fait que à chaque fois qu'il y a parlé de consultation politique qu'a fait la Jodia, moi-même, je dis que ce n'est pas consultation politique qu'a fait, c'est marchandage politique qui a fait. Mm-hmm. Donc, et dans le cadre et constitution que nous avons parlé à là, li impératif pour nous-mêmes, dans vision par nous, pour que reprenne complètement vient avec une nouvelle constitution. Mm-hmm. Il y a un peu de voix qui a élevé par rapport à une dissolution non, du Parlement. Pas pour la dissolution du Parlement. Non, pour l'équilibre dans le pouvoir. Nous pas penser que ce Parlement, d'ailleurs, nous faut nan fait ça, nan crasé institution. M'a rappelé nous que nous crasé une institution vitale que pour pays qui était relé l'armée d'Haïti. Donc nous faut nan crasé institution. Moi même moi pas pour craser institution, moi pour réformer, moi pour renforcer. Le parlement haïtien Jean lié là jodi a là, il gagne trop pouvoir dans la constitution, il fait trop bagaille. Donc d'ailleurs, ou est tellement fait que y a baïté des privilèges exorbitants, c'est comme si m'da dosé non royauté monsieur Sayo a vive comme journaliste autant des derniers scandales qui fait côté que le président qui est du Sénat il gagne près de 13 millions de dollars américains et par mois pour loyer Kaili. Mm-hmm. Autant de combien l'argent que y a baïe, eh ben yo tellement des privilèges, yo tellement des bagaille côté que jodi a yo kin des pays a en mm-hmm. otage. Mais quelqu'un qui dit tout, Jean-Baptiste, ou pas capable pour autorité paysan assemblée avec. Ou pas capable pour fonctionner tant que n'importe qui. D'ailleurs, quand invité que me recevoir là, il dit attention, peut-être monsieur qui a pas travail suffisamment pour mériter privilège, mais l'État est majestueux. Autrement dit, le chef doit au moins avoir une posture. Écoutez, c'est pas tout simplement que l'obliger même gens avec nous tous parce que nous votons pour servir et que nous voulons que pour lui marcher à psychologue avec des pantalons chirés. Éric Jean-Baptiste Patabijan, mais souhaité pour que l'État ait un protocole là-dedans. Cependant, nous parlons dans une royauté tout. Pas besoin on l'état côté que l'a fait festin matin midi soir côté que chaque nèg a manger l'a manger pas qu'à manger avec une fourchette normale fourchette là faut qu'il en or l'a boire ou pas qu'à boire non verre normal faut boire non verre cristal pas connais moi même. Donc nous pour que l'état il y a un protocole là-dedans effectivement pour qu'a besoin des députés des sénateurs là au sorti dans département yo qui pas gain caille Port-au-Prince et y a pas son temps Port-au-Prince nous pour que yo gon côté priorité. Cependant l'État capable construire des cités résidentielles de fonction côté que l'État monter li chercher espace li construire caille qui permettent que leurs députés leur sénateur, leur ministre, leur et directeur général de la police. Mais c'est dans l'environnement ça que nous tous nous venons rester. Pour pas là dans l'emploi, retourner dans la caille privée pour côté gain. Ça t'a prendre un pile service à l'État. Un, t'a gagné moins source de corruption. Parce que chaque caille qui a loué, autant de qui loué pour 13 millions de dollars, moi je suis certain que si c'était moi-même Jean-Baptiste qui t'a loué caille ça, je t'a loué pour 1000 dollars. Donc ça veut dire que quelque part, on surfacturation qui fait quand même en dans caille. Parce que c'est l'État. Parce que c'est l'État. Yo entendu pour yo faire ça. L'État permet que gagne l'argent que l'État économise. Dans ce sens ça, l'État permet que pouvoir vienne plus efficient tout. Peut-être que ça.
messieurs parlementaires, nous, eh bien, là, chaque jour, c'est n'a contre même, que même côté, n'a parlé ensemble. Messieurs ministres, t'as contre plus souvent avec parlementaires, chef la police, là, l'étape, tout non même environnement avec président de la République, là. Donc, ça t'a permis que nous régler une bonne bagaille. Oui, mais pour ça. Mais pour, lorsque, responsable, nous, a marché, yo gon machine pour yo marché. Mais qui loi qui dit que yo obligé gon machine $150,000. Si a pas ton machine pour $150,000 avec l'argent en poche yo, c'est très bien. Pas de problème. Moi je suis pour. Mais si c'est sous dos contribuable yo, si c'est sous dos population que ou pas ka bay manger, ou pas ka bay de l'eau, pas ka bay santé et puis ou prend l'argent, ou vivre dans luxe ça ensemble avec lui, écoutez, c'est pas sérieux. Donc, ou même ou pour éliminer quelques privilèges. Et oui, définitivement, il y a un bon privilège, un bon bagage qui est source de corruption. Dans le pouvoir, Éric Jean-Baptiste, c'est certain, par exemple, et oui, briquerait les subventions, nous avons éliminé ça complètement. Mais complètement, oui, mais complètement. Mais tout autant que le Parlement n'a pas qu'à éliminer pour contre. Non, non, non. C'est de conseil pour le fait. Et c'est une raison. Tout autant que la Constitution est en vigueur. C'est une raison qui fait que nous parlons de coup de force contre cette Constitution. C'est clair pour nous. Parce que, et tout autant que nous rété dans le système ça, j'en lis là, nous pas un consensus et moun qui gen tête douce là, qui dans l'estomac, il n'y a pas retiré bouche li là-dedans. Ça que le tête douce. Ah, mon cher ami, l'on fait ça pour lever radou, l'on a baillé dans le dry ou gon frais pour lui. L'on fait ça pour lever kay côté pour dormir. Yo paye le bou. L'on fait ça ou lever gaz pour mettre dans machine nous, l'état baou littéralement baou en quantité exagérée que ou joindre de moyens gon commerce bon gaz l'état qu'a fait dans la rue. Ça veut dire que nèg pas mettre gaz là dans machine dans vrai pour faire service l'état, li prend bon, li fait changer bon pour mettre l'argent dans poche li. Ou pensez que c'est facilement comme ça nèg pas le retirer ça non mais yo. Non. Mais Jean autorité nous yo a décrié. Est-ce que vous pensez que quand le cabrivé tout le monde a aussi intéressé à le faire politique? Écoutez, par exemple, accepter par exemple pour le premier ministre ou même d'ailleurs dire c'est pour moi qui intéresse au ministre, il a parlé au manteau de la Saint-Jonet ou président tout député et sénateur aujourd'hui. C'est tout pas eux. On va penser que ou même au cas président de la République et pour dire où est l'on est, ou dire où qu'on est qui est capable, ou dire mon chef de mon côté mais dans le gouvernement là, moi j'avais tel poste pour. On va penser le cas du ah écoutez ben, son excellence avec tout le respect que je vous dois. Mais j'en paye ça et là, si on est pour respecter tout, il y a des gens pour pas embarquer tout là-dedans, ne pas fouiller tout là-dedans, parce que je vais commencer à mettre des graffiti, je vais commencer ça le nom, je vais commencer du voler, pas gagner un qualificatif sale que pas bao. Ou pas penser que nous sommes route pour arriver à ça, monsieur Jean-Baptiste? La plupart de monde ouais, yo dit ça, yo mérité. Parce que la plupart de monde qui sont dirigés nous là, c'est effectivement des incompétents, des corrompus, des volets. Ça sont réalités que liées. Cependant, si nous pas joindre moun honnête, moun sérieux qui décide pour prendre un destin pays ça en main, qui côté nous aller ensemble avec lui. Et c'est pas tout dirigeant qui passe dans pays là que yo dit qui volait. Non, moi, je dis la plupart. Parce que je connais que c'est très facile, pour ne pas dire que c'est beaucoup plus facile pour critiquer. Les plus faciles, là, par exemple, ou en dehors, pour observer dribble qu'a fait, ou bien fly qu'a fait, pour dire si c'est où tu es là, mais qui passe ou t'as fait, mais qui gore ou t'as bail, mais quand c'est ou même, l'icône, c'est pas la même réalité, hein, monsieur Jean-Baptiste. Permettez-moi de dire que. Effectivement, le deux pouvoir, il y a une réalité, le dans pouvoir, il y a une autre réalité. Mais cependant, ce n'est pas tout dirigeant qui, parce que je ne la plupart, qui a une étiquette ça. Je vais prendre deux exemples qui passaient dans la tête. Et il y a un président en tant que le président estimé,
pas j'entends au doux que le président estimait que c'était un volet. Le président estimait passer 3 ans, 7 mois au pouvoir, les réaliser ça que dictature Duvalier qui était sur le passé là, qui fait 30 ans, pas réussi à faire. Nous gagnons le professeur Lessie François Maniga, qui en 4 mois, qui en 4 mois de gouvernance, qui montre le pays, mais ce qui voit nous pour aller. Mais qui route nous prend avec le pays. Vous avez entendu non professeur Maniga cité comme volé, comme malhonnête. C'est un politicien qui a fait politique, il prend pouvoir et il montre qui côté il va aller avec le pays. Tu as pris plusieurs autres exemples. Bon, de plusieurs autres. Il n'y a pas d'accord, mais il y a tout cap dire que parce que M. Maniga a seulement fait 3 mois au pouvoir. Et s'il te fait 6 mois, il a pas le nous tapis bon. S'il te fait 6 mois, nous tapis loin parce que c'est samedi qui peut dire comment dimanche ou à pied. Non, ça, il n'y a pas de doute. Non, et à ce niveau-là, peut-être que je suis d'accord avec vous. Il y a des horizons qui ont dégagé avec Lessie François Maniga comme président de la République. Même dit que je dis, hein, ou dit que il n'y a pas de rien pour te reprocher. En fait, on a parlé en termes de gestion, parce que c'est 3 mois que tu as fait. Mais il y a des gens qui disent tout, s'il te fait 6 mois, 9 mois, 1 an, il va commencer à inventer pour lui. Et pour faire de la politique, il faut avoir la peau épaisse. Ou a toujours joindre une quantité de négligeables de monde qui cap inventer n'importe bagaille. Mais cependant, si dans la réalité population a vive ça va faire, eh ben les papes l'a tombé sur et puis l'a juste passé. Par exemple, moi-même Jean-Baptiste, où j'aime entendre que nom cité nan nèg cap fait corruption que dans pays. Bon, si le monde a fait ça le paraître, il écrit sous mu, Éric Jean-Baptiste volait l'argent de l'État. Ça ne peut pas dire rien pour la population. Parce que la population connaît que Éric Jean-Baptiste n'a pas de corruption. Donc, oui, ça peut arriver. Bon, tu me dis que ce n'est pas nécessaire pour ta. En fait, on n'a pas besoin d'un coup de force pour la Constitution. Ou besoin tout simplement faire des pétitions et manifestations pour un référendum pour changer la constitution. Où on répond à ça? M'a dit à auditeur ça, malheureusement, et cette constitution n'est pas reconnaître le référendum. C'est-à-dire que tout côté constitution est verrouillé. La constitution n'a pas reconnaître le référendum. Donc, même si vous faites pétition, vous faites pétition pour joindre le maximum de consensus possible pour capable arriver vers coup de force. Mais cependant, le référendum par quel côté dans la constitution, côté que vous prévoit que vous capable de faire référendum là-dedans. Et c'est malheureux. Alors référendum pour changer. Et si la loi pas permettre ou faire référendum non, si on le fait référendum non, c'est quand même un coup de force que lié parce que la loi pas autorisé au faire parce que quand même c'est référendum qui était baïe constitution sa naissance. Écoutez, le ça pas de gagner et une constitution qui était en vigueur. Donc c'est normal que le ça te gagne un référendum qui était fait qui pour te dire est-ce que nous acceptons. Mais oui, mais ça n'a pas prévu pour changer non plus. Ça dit qu'on est capable d'amender et de tracer route pour amender là. Au-delà de deux ou trois articles qui changeaient dans une constitution et les pas même constitution encore. Et l'on va arriver son centaine, parce qu'il y a plus qu'une centaine d'articles qui peuvent changer, l'on va arriver que son centaine ou automatiquement gagner une autre constitution. Et pas oublier tout que nous disons, M. Teyoudo, que les gens qui ont une responsabilité qui pour tout changement dans la constitution, ils n'ont pas fait. Parce que tout privilège, là, tout pouvoir, rester dans les mains. Et alors c'est pour partager quelques remarques avec vous, que peut-être nous avons fait après. Il y a quelques auditeurs et auditrices qui disent que vous avez un bon premier ministre. Mais maintenant, est-ce que ce n'est pas parce qu'on se dit là que ça n'a pas été intéressant qui fait dire que vous avez un bon premier ministre là? Bon, écoutez, moi j'ai préféré que
auditeur ça dit les ouais non même un bon chef de l'État. Un bon chef de l'État et côté que parce que le premier ministre les pral un partisan. C'est-à-dire que moi-même comme chef de l'État, moi pas partisan. Moi-même comme chef de l'État, m'a pas assuré que toute institution a bien marché. En conclure pour avec question masse là, je me désire déjà ou quitter parti politique ça. Moi pas je me dis pour qui ça non. Pour des raisons de convenance personnelle. Pas d'explicité. Écoutez, okay, ça a été personnel. Non. Convenance personnelle, c'est deux mots qui traduisent ça, ça veut dire. Ok, d'accord. Et RDNPA, ça veut dire que ça peut être là-dedans. Écoutez, moi-même, j'étais toujours un sympathisant de RDNP. D'ailleurs, nous avons mené une campagne pour Madame Maniga. Nous croyons que c'est encore une autre chance ratée de ce pays, mais qui là, qui en réserve de la République, qui est capable de servir le pays, si on fait appel à compétences, nous-mêmes comme sympathisants RDNP, lorsque nous quittons masse, nous disons que faut que nous continuions à faire politique. Et pour nous faire politique, il faut que nous entrions dans une structure politique. Là, nous virer, nous garder, qui ça qui dans sensibilité nous. RDNP, qui c'est un parti de centre-gauche, li entrer dans la philosophie, nous, dans la vision, nous dit que nous allons rentrer en dedans RDNP. Et comme il y a une convention qui a fait le 16 août pour que gagne un renouvellement de serviteurs légitimes que parti a pral élu, eh bien nous-mêmes nous poser candidature nous pour nous venir prochain secrétaire général du RDNP. Naturellement, c'est une coquine chaîne responsabilité. Parce que, pas oublier que le RDNP, c'est deuxième force politique de ce pays. Dans deux dernières élections que nous participons, un, nous baillons président de la République. Deux, nous toujours deuxième. Ils ont empêché professeur Lessie Saint-Roch Maniga fait deuxième tour avec Préval. Préval pas de passer à 50% plus un, pour son histoire, fameuse histoire, vote blanc. Deux, Mirland Maniga à l'élection, li sorti deuxième. Et même deuxième, nan, gen en pile, mais vraiment, en pile monde qui mettait en doute que le président Tête Kalea était passé. Donc, nous c'est deuxième force politique dans le pays, parce que souvent, dans toute élection que nous allons, nous ou bien premier ou bien deuxième.